les grandes marches, les incessants déplacements de ces troupes invisibles sont les facteurs les plus efficaces de la résistance du front à l'armée sud-vietnamienne. Ces guerriers en mouvement constant, sachant utiliser la complicité de la brousse, bénéficiant de la participation massive des populations rurales, s'opposent avec acharnement aux troupes du gouvernement de Saïgon, dont la propre mobilité d'autre nature, celle-là, n'est pas sans inquiéter les Américains. Yeah.